du tout prêt. Comme ce CD. Ou ce pas CD, parce qu'en fait c'était pas un CD. J'ai l'impression que ça c'est juste pour les objets divers. Hop là. Eh, moi aussi je peux klaxonner hein. C'est qui le mec au bout de la rue là? Ok. Non, j'impressionne personne, faut vite que je me barre en fait, donc je me prépare. C'est tordu, Ralph. J'aime bien, la personne s'en va. Sans pression. C'est lui là? Oups. Bon, il va bien le voir. On a trop de vieux au téléphone. C'était pas le moment. Eux ils ont des Thompson à chaque fois. Pas pourquoi les chapeaux ils ont des Thompson. Voilà. Et voilà. Ça c'est fait. Magne-toi de décarré. Courez, dépêchez-vous. Courez. Ouh. Vous aurez fini suffisamment de dégâts pour réduire les gains. Vous pourrez retourner voir votre contact pour en savoir plus sur le boss. Pour en savoir plus. Vous avez complètement ravagé le réseau. Allez, voilà. Hop, 500$. Ah là, une note. La reine de la jungle, d'accord. Est-ce qu'on peut aller buter l'autre rigolo ou pas? Oui. Allez, pour le fun, on va le faire quand même. Alias le slam. Oh bah super. Ça c'est du surnom. Hein. Oh, 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 oh non mais ça va pas là. Alors il y en a 1, 2, 3. Oui, bah, j'avais compris. Ah, tu vois cette route? Prends-la, Mina. Oui, j'avais compris. Oui, c'est moi qui ai foutu ce bordel. Oh, non mais enfin, monsieur. Est-ce que cette personne a un fusil?
Oula, oula. Ah, t'as cru que t'allais m'avoir, enfoiré, hein. Et qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Allez. Ouh, il y a du pognon par ici. Faut qu'on passe à la baraque juste après. Le gars en... Bon, une journée, oui, d'accord, mais on va dire... quand même assez rapidement. C'est fait pas mal de fric, on va pas se mentir. Là, ça coule de source quand même. Alors lui, il est mort. Ah ouais, monsieur s'était pris un fusil Manitou. On nous donne bien la carabine. Fusil Manitou, non mais sérieux. Ah, d'où c'est? Ah merde, j'ai oublié une liasse. Face aux touches parce que on meurt pas en sautant, c'est bien. Allez, il faut qu'on aille retourner voir je sais plus son prénom. Lincoln, ça me fait tous les objectifs de sa fille. Oui, non mais c'est bon, la fille. Merle se terre au père là, pareil qu'il crève de rage. J'aimerais bien voir sa tronche à ce connard. On se met bien d'accord. Une fois que je suis à l'intérieur, je descends tous les connards qui se mettent sur ma route. Personne va pleurer pour ces salauds. Fais comme tu le sens. À la prochaine, Lavo. Ça tombe bien. Allez, allons buter cet enfoiré. Appelez les associés. Oui, bah ouais, on va en profiter du coup. C'est la bonne occasion. Appeler. J'ai besoin de matos. Il paraît que vous êtes l'homme de la situation. Cassandra a dit que tu risquais d'appeler. Définitivement. J'aime bien apporter mon aide, mais je fais pas la charité non plus. Je me suis assis avec des membres de Sous-Cern Uniforme. Je les ai regardés dans les yeux et j'ai... Ça te garde pas au milieu de la rue, mec. Montre-moi ce que t'as. Alors, on va prendre l'exterminateur. Le deal est terminé. Je commence surtout de contacter. Mais... Comment ça va? Comment ça va? On va faire le tour. Oh, quoique. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai tout mon pognon. De s'en prendre à nous. Je pensais qu'après Samy, ce serait... Et j'adore. Il faut qu'on s'en aille. Appelez ta mère au secours. Fils à maman. Ça fait mal, hein. Pas question de rester ici. Bougez, si tu te... Ouf. Juste là.
je suis à sec. Ouais, là c'est le cas de le dire là. Alors, il doit rester quoi? J'ai entendu un mec à la Thompson au-dessus. Hop. Ne me tirez pas dessus, prends gilet par balle. Ah oui, il est avec Irvin. Coucou. Il est foutu. Je me tirer dans un coin. Je suis foutu, bah y'en. On va prendre une définition de foutu, mon gars. J'ai pas rêvé, on m'a tiré dessus au flingue. C'était toi, ça. On a ça dans le sang. Oh là là. Vous, bande de larves. Oula. Dans les chiottes. Ah oui d'accord, c'est dehors. Non mais me dis pas qu'ils sont en train de défoncer ma voiture quand même. Non seulement il a eu les filles, mais en plus il a buté Doc. Ouais, il était. Ça, c'était beau. Hop des munes. Des boss de trafic, neutraliser les boss pour en prendre le contrôle puis contacter un peu colonel. Raconte-moi encore une fois comment un foutu négro a pu se balader ici sans avoir le moindre problème. Je t'écoute. Désolé Merle, j'étais pas sûr. On ne pas mourir aussi facilement. Ah ouais. Alors, tu vas faire quoi le négro? Ça. Il a demandé hein. Foot en running con. Ouf. Plus 30 000. Deux poupées. Se range dans un inventaire. En l'occurrence, oui, on va la signer à Cassandra. On a chassé ces enfoirés de Dixit chez Perla. Demande à tes hommes de boucler les lieux. D'accord. Mes hommes vont aller s'occuper des lieux. Fais sortir ces fils de pute de Dixit retranchés dans l'église. Et Richie devra riposter. Par contre, fais attention, ton fil de téléphone te rentre dans le torse. C'est dangereux. Oh oui, d'accord. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu plus malin que les autres, parce que... En 1966, le FBI m'a recruté à la sortie de la fac. J'ai d'abord été affecté à Atlanta, puis on m'a transféré à New Bordeaux début 68. J'y suis resté jusqu'en 86, quand j'ai été promu directeur adjoint de la section crime organisé. Je suis resté au FBI jusqu'à ma retraite en 1999. On raconte énormément d'histoires sur Cassandra. Enfant, elle aurait été enlevée, tuée et ramenée à la vie par un prêtre vaudou. Elle aurait assisté au viol et au meurtre de sa sœur par des malfrats. Elle aurait abattu son propre père et abandonné son corps dans les marais. Bien sûr, impossible de démêler le vrai du faux. Bon, alors je suis rentré chez moi pour déposer mes sous et en plus, je me suis fait voler ma bagnole. Enfin, je suppose, parce qu'elle a du dépop ou une connerie comme ça. Du coup, j'ai mis en sûreté tout ce qu'on avait trouvé comme fric, donc ça nous fait 13 000 dollars. En banque, si. Oui. On va dire en banque.
coup, je me suis débrouillé. Alors, pour foutre ma voiture au canal, non. Voilà. J'ai retrouvé une voiture. Bon, je me suis pas fait chier, elle était devant chez moi, mais... Enfin, dedans, elle s'enrouillait. Celle-là est pas mal. J'aimerais bien récupérer celle qu'il avait, quoi, en fait, elle était sympa. Bonjour, je viens faire mes courses. Ouais, celle-là est pas mal. Celle-là est sympa aussi. Enfin, si le contour était chargé, elle serait encore plus sympa, j'imagine. Ce fils de pute, maintenant. C'est gentil, on t'offre une seconde chance. T'es là, maintenant, casse-toi. Crois vraiment, t'es bien... Non mais je voulais juste trouver une voiture et voilà, ça se termine toujours très mal. Celle-là est sympa. Je sais pas si on pourra avoir des... Oh ben on va prendre celle-là. Si on pourra avoir des membres du gang qui vont nous suivre, que ce soit des haïtiens ou après par la suite des autres. J'appelle les flics. Oh putain. Alors monsieur, vous n'appelez personne. C'est comme une deuxième chance en fait. Désolé, non, mais je vais devoir t'emprunter ça. Si, ta voiture. Pas Delray. Hein. Aïe. Donc on doit aller voir Donovan. Et me volez pas ma voiture cette fois-ci. Oula. Je m'attendais pas à te voir ici. Je voulais prendre un peu l'air. Cette héroïne vendue par les Dixie, là, c'est gérée ici par un certain Charlie Kincaid. Ce qui veut dire que tous les autres dealers du coin bossent pour lui. Charlie reste à l'écart autant qu'il peut, donc tu vas devoir lui mettre la pression. J'ai repéré quelques-uns de ces gars. Si tu les fais parler, ils te diront comment le choper. Bon, de ce que j'en sais, Charlie fait seulement ça pour le fric. Et pas par conviction, contrairement à tous ces autres enfoirés de Dixie. Donc peut-être que si je le baratine, il pourrait accepter de lâcher Doucet et de bosser avec moi. Si j'arrive à le faire sortir. Justement, j'ai quelque chose qui pourrait t'aider, c'est ce que je voulais te montrer. New Bordeaux dispose d'un réseau de communication standard. Donc mettre en place un système d'écoute efficace, ça devrait pas être trop compliqué. T'as juste à installer cette petite merveille sur un boîtier de raccordement, et je pourrais établir une cartographie complète de tout le secteur. T'en as encore combien de ces trucs? Juste ça. C'est des composants surveillés par la CIA. Mais si t'arrives à en trouver d'autres, tu peux mettre toute la ville sur écoute. D'accord. Putain de merde. Ces connards qui pensent que vivre sous un régime communiste est la solution. Ils ont qu'à se casser à Moscou. Si t'en trouves d'autres comme ça, tu me les ramènes. Je trouve que tu t'en fais un peu trop. Qu'ils aillent se faire foutre, putain de traître. On se voit quand il sera temps d'agir contre Charlie. C'est incroyable. Dans mon propre pays, bordel. Foi. Gars, il est trop vénère. Alors, pour mettre les réseaux... Je vais forcer les boîtiers. D'accord. Oui, c'est une... Bah comme il l'a dit, c'est une manière de cartographier l'endroit. Merde. D'accord, voilà. Oui, voilà. Ça va être pas mal, ça. Ah, ben voilà. Et donc, on en a déjà récupéré 9. Lui, il est trigger, il se met comme les doigts de la main. Salut. Comment ça va? Roger est dealer Charlie. Allez. Alors, toujours le même principe, parce que je vois dommages restants, etc. Ok. J'aurais pu rapprocher ma voiture.
Mais c'est pas un coin très sûr, hein, donc. Ah, puis y a des trucs à droite dans l'église. Si c'est là où il est supposé être. Alors, interroger. Ok, cette voiture a un sacré problème. Marcano, n'importe quoi. C'est... Pas dans la veille qu'un blanc sera l'esclave d'un rital. Pardon ? Tu verras. D'ici un an, entre les blancs de Richie et le fric de la cam, c'est les Dixie qui seront. Tu vas faire quoi? Tu risques gros, gamin. Tu crois que t'es planqué là? Non mais. Cette zone est interdite. Putain, ouais, oh, je t'aurais pas, ah ouais. Alors, je t'aurais pas toujours. Il trafique quoi à l'église 4 toi? Y a plein de cams à l'église. Si tu fais tout péter, le patron va s'asseoir sur un paquet de fric. Tu veux maintenant obtenir 500, recruter. À partir de maintenant, je tire les ficelles. Ah oui, faut pas buter tout le monde. Ça nous aidera pas pour notre petit trafic, comment on va se lancer ici. Allez. Ah oui, il y a plein de trucs à récupérer là. Imagine que c'est des boîtiers... Enfin, des fusibles, je sais pas quoi là. Comment ça va? Attends, tout le monde lui demande comment ça va. Le gars, il va péter un câble à force. C'est sûr que c'est un petit peu plus simple que de projeter, hein. Alors, ouais, donc c'est bien ça. Je sais plus, on doit en avoir voilà, une dizaine. Ce marqueur bas. Alors, dommage reste. Détruisez le stock de l'église, des cartes et récompenses. Par contre, la police est partie en vacances, hein. Il n'y a plus personne. Oh, ils sont passés, attention. Alors. On a du gilet pare-balles, du fric. Le gilet, je dis pas non. C'est pas du tout extrême, hein. Ok, une Thompson, du fric,
Alors sur le toit, il y a encore deux autres trucs verts. Du fric, j'imagine. Ouais. On en a deux autres là-bas. On a un sniper. Dorine est encore en cloque. Ah, félicitations. Comme s'il avait besoin d'un autre moutard dans les pattes. Je lui avais dit de prendre la pilule, mais elle est trop cato pour ça. Tu sais quoi? Tu ferais mieux de faire comme moi. Les putes, y'a que ça de vrai. Merde, ce serait sûrement moins cher. C'est sûr, mais si Dorine me chopait, elle m'arracherait les couilles aussi sec. Ah, tu parlais. Leur discours de problème de société, c'est très bizarre. Le véhicule légendaire, mon dieu. Alors deux autres là-bas. Encore là-bas, un ici. T'es au courant pour la réduction de faire acheter un bruit. Oh oui, t'es bien crétin. Tu vaux pas mieux que lui si t'as un petit peu. Oui, c'est un petit peu extrême, oui, mais bon, ça permet de faire le ménage rapidement. Hein. Hop là. Bon, je pense qu'on s'est un petit peu annoncé là, ça devrait être bon. Surprise! Oula! Sur les personnes, les opérations ne peuvent pas éliminer pour mettre. Risque contre récompense, j'accepte important de contenir des informations sur sa difficulté. Voilà, lui il fera pas chier. Il y a un poster juste derrière. Donc ça affiche en bleu là. Oh là, c'est bien. Qui fout le bordel.